Oui, bonjour à tous. J'aimerais aujourd'hui vous demander de liker, de partager et également de commenter toutes les vidéos. C'est très important pour que notre chaîne YouTube puisse prendre de la hauteur. Alors bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voudrais faire un petit best-of. Best-of uniquement de l'année 2022 sur comment ont-ils fait pour nous mentir autant sur la guerre en Ukraine. Vous allez voir, c'est pas mal. Je continuerai sur 2023 dimanche prochain et puis sur 2024, bien entendu. Allez, j'espère que ça vous plaira. Alors on dit oui, ça y est, les 27 ont voté unanimement l'embargo sur le pétrole russe, ça y est, on ne va plus s'adresser d'ici la fin de l'année aux Russes. Vous en pensez quoi? Ce qui est très intéressant, c'est que l'on apprenait hier que cher André Berkoff, l'Inde par exemple, qui est un vieux partenaire de la Russie, qui a beaucoup d'alliés dans le monde, c'est assez intéressant, c'est plutôt l'Occident qui s'isole, mais nous y reviendrons peut-être, avait quintuplé, et peut-être un peu plus, son volume d'achat de pétrole russe. Pourquoi? Pas simplement pour satisfaire sa consommation continentale, oui, parce que c'est presque un continent, mais pour le revendre à l'Europe. Avec évidemment une solide commission. C'est-à-dire que l'Europe est le dindon de la farce. L'Europe va arrêter d'acheter du pétrole russe, la Russie vend à l'Inde, et l'Inde nous revend le pétrole beaucoup russe. Beaucoup plus cher. Magnifique. Et la phrase du général de Gaulle, au fond des victoires d'Alexandre, entre autres toujours Aristote, veut dire que il n'y a pas de victoire politique sans réflexion préalable. Mmh. Une réflexion large, une réflexion qui prend en compte l'ensemble des forces du monde. L'énergie et l'alimentation en particulier ont flambé avec la guerre en Ukraine, plus 34,6% pour le coût de l'énergie, plus 10,1% pour les prix alimentaires. C'est la plus forte progression depuis mars 81. À Los Angeles, le président Joe Biden a reconnu un coup dur pour les ménages américains. Écoutez. Le rapport d'inflation d'aujourd'hui confirme ce que les Américains savent déjà. La hausse des prix de Poutine frappe durement l'Amérique. Le prix de l'essence à la pompe, les prix de l'énergie et de l'alimentation représentent la moitié des hausses de prix mensuelles depuis mai. L'inflation hors énergie et alimentation, ce que les économistes appellent l'inflation de base, s'est modérée ces deux derniers mois. Pas suffisamment, mais elle s'est modérée, elle a baissé. Nous devons la faire baisser beaucoup plus rapidement. Le rapport d'inflation d'aujourd'hui confirme ce que les Américains savent déjà. La hausse des prix de Poutine frappe durement l'Amérique. Eh bien, Wall Street a terminé en forte baisse après les publications des chiffres de l'inflation. Du rouge absolument partout. Le Dow Jones à moins 2,73, moins 2,91 pour le S&P et moins 3,52 pour le Nasdaq. Du côté des places boursières européennes, eh bien, c'était la même chose. Toujours sous le choc, par ailleurs, des annonces de la BCE hier qui a annoncé et confirmé qu'elle allait relever ses taux d'intérêt en juillet puis en septembre, moins 2,68 pour le CAC, moins 3,05 pour le DAX à Francfort, moins 2,17 pour le FTSE à Londres. Dans ce restaurant de la banlieue de Moscou, depuis l'intervention en Ukraine du 24 février, les affaires marchent plutôt bien. Le McDonald's voisin a fermé ses portes. Mais ce n'est pas la seule raison, selon le gérant. Le chiffre d'affaires a augmenté de 10%. Je crois que c'est parce que les gens ne parlent plus à l'étranger et dépensent davantage en Russie. Ici, pizza et pâtes sont fabriquées avec des ingrédients 100% italiens. Mais avec les sanctions internationales, il a fallu s'adapter. Aujourd'hui, nous travaillons avec 5 fournisseurs contre 2 auparavant. Parce que certains ont augmenté les prix de la farine, d'autres le prix du fromage. Pour ce qui est de la farine, on a 2 mois de réserve. Mais on se prépare dès aujourd'hui à utiliser de la farine russe. Artyom songe aussi à proposer du vin russe dès que son établissement aura obtenu la licence. Si la formule paye, il ouvrira un deuxième restaurant d'ici 2 ans.
Même pragmatisme dans cette manufacture de montres, la plus vieille de Russie. La marque, rachetée par un Français en 2011, a dû reporter le lancement de certains modèles, comme celui fabriqué à partir de ce morceau de métal. C'est une aile d'un avion de chasse MiG. Voilà, donc en raison du contexte, on reporte un peu la sortie des montres qui sont sur une thématique militaire, pour des raisons évidentes, et on se concentre plus sur des montres qui parlent de l'art, des montres plus classiques, ou qui parlent de l'espace. La montre des héros soviétiques a aussi dû changer de fournisseur. Certains éléments, qui provenaient d'Europe, comme les bracelets ou l'huile des machines, sont désormais confectionnés en Russie. L'Union européenne accuse les Russes de crimes de guerre. En bloquant les ports ukrainiens, les Russes en effet seraient responsables de la hausse des prix des céréales et des famines à venir en Afrique. Oui, les Européens collent à la position de l'Ukraine. Si elle ne peut plus exporter son blé, c'est parce que 30 navires de guerre russes maintiennent un blocus au large d'Odessa et pas parce qu'elle a miné ses ports pour se protéger d'un débarquement russe. Le président ukrainien a planché hier en t-shirt et en vidéo devant les dirigeants africains. Il leur a dit que la guerre en Ukraine avait pris l'Afrique en otage, que la crise alimentaire mondiale allait durer aussi longtemps que cette guerre qui est une guerre coloniale, que se débarrasser de la menace de la famine est sa mission numéro un, qu'il les accueillerait bientôt à Kiev pour une grande conférence politique et économique Ukraine-Afrique. Comme d'habitude, les mots étaient choisis pour flatter. Zelensky, chef de guerre, est prêt à tout pour enrôler son public, mais pour une fois, il n'a pas obtenu de standing ovation. Mais oui, les Africains condamnent les violations de frontières, mais veulent surtout éviter de se fâcher avec Moscou. Oui, comme d'habitude, les mots étaient choisis comme ça, mais les Africains prennent le conflit pour un avatar de la guerre froide, une affaire Est-Ouest dont le Sud paye le prix fort avec les céréales dont le cours s'est envolé. Ils se voient comme les victimes collatérales d'une guerre régionale à laquelle les Occidentaux refusent de mettre fin. En réalité, les Africains ont intégré ce que Vladimir Poutine a dit à Macky Sall, le président sénégalais qui lui a rendu visite sur les bords de la mer Noire. La Russie livrera du blé à ceux qui ne prendront pas parti contre elle. Quel que soit le talent des communicants qui entourent Volodymyr Zelensky, son enfant est moins efficace. Alors la Russie s'impose comme l'acteur numéro un dans le commerce agricole mondial. Oui, la Russie nous donne une leçon de guerre économique. Quand il est arrivé au pouvoir, Vladimir Poutine a trouvé une agriculture en jachère. Il l'a réorganisée, il y a mis les moyens. Les oligarques ont été plus efficaces que les kolkhozes. Les moissonneuses batteuses, avançant en ligne dans les plaines de l'Oural, ont réapparu à la télé. En 20 ans, la production est passée de moins de 30 millions de tonnes à plus de 80 millions. L'Afrique devrait prendre exemple. Et le comble, les sanctions européennes après l'annexion de la Crimée ont dopé cette production agricole. La Russie a atteint l'autosuffisance alimentaire. Elle est devenue le premier pays exportateur de blé devant l'Ukraine. Aujourd'hui, son blé finance sa guerre. Cet été, la météo promet une moisson exceptionnelle. Et comme ce blé est bon marché, la Russie s'impose comme fournisseur des pays pauvres, notamment africains. Ce n'est plus un rideau de fer, mais un rideau de paille et de farine qui tombe sur le monde. Alors, voilà, quand la guerre militaire se décline dans son versant civil et économique. Шановні громадяни, я, чинний президент України, верховний головнокомандувач Збройних сил, погоджусь на безстежну капітуляцію всіх наших Збройних сил на суші, на морі та в повітрі. Ми вже доказали це. Звісно, вірно, Ахбат Сюрдов. Так и подпишем. Давно надо было. Что-то опоздал.
Et il faut vraiment que les armes occidentales arrivent et aussi que les soldats ukrainiens soient capables de les utiliser. Mais vous comprenez bien qu'avec des pertes en blessés et en tués de plusieurs centaines de soldats par jour, il y a eu aussi des soldats nouvellement formés qui ne sont plus capables d'utiliser ces armes. Alors l'urgence est vraiment très grande pour l'Ukraine de renouveler et de se réarmer de son propre aveu. Le retrait de Lysychansk, la dernière ville de la région de Luhansk que l'Ukraine contrôlait pendant le week-end, était due à la supériorité de l'artillerie russe. Pour le moment, les Ukrainiens sont vraiment dans une situation assez difficile. Et même si le président Volodymyr Zelensky assure que l'arrivée des armes modernes occidentales permettra à l'Ukraine non seulement de défendre le reste de la région de Donetsk, mais aussi de reprendre la région de Luhansk et le sud de l'Ukraine actuellement occupée par la Russie, il est clair que les Russes essayent de presser l'avantage qu'ils ont en ce moment en termes d'armes et d'avancer au plus vite. Mais bien sûr, les Russes subissent aussi des pertes. L'économie, ça n'était pas arrivé depuis près de 20 ans. L'euro est au plus bas sous 1,03 $ depuis ce matin. Oui, la guerre en Ukraine n'épargne pas la monnaie unique. En juin, la croissance de l'activité économique en zone euro a fortement ralenti dans le secteur privé car les investisseurs sont de plus en plus frileux, Carole Ferry. Oui, ce qui inquiète notamment, ce sont tous les indicateurs qui montrent que la zone euro semble au bord de la récession. À cela s'ajoute une inflation qui ne cesse de grimper, sans perspective d'accalmie. Alors les États-Unis aussi sont frappés de plein fouet par la hausse des prix, mais avec une politique de resserrement monétaire beaucoup plus dynamique qu'en Europe. Et ça peut notamment expliquer que le dollar apparaisse comme une meilleure valeur refuge que l'euro. Par ailleurs, nous sommes beaucoup plus exposés à la crise énergétique, comme l'explique l'économiste Christian de Boissieux. Les États-Unis sont grosso modo autosuffisants, alors que nous restons encore très dépendants. Regardez la difficulté que peut avoir un pays comme l'Allemagne à se passer des importations de gaz en provenance de la Russie. Et ça peut inquiéter les marchés. Alors, Karguin Galactéros, je suis très heureux de vous retrouver. On vous avait déjà reçu ici, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est très frappant, et on en parlait justement hors antenne, c'est que l'Iran a demandé à rejoindre le BRICS. Le BRICS, je rappelle, Brésil, Russie, Inde, voilà, Chine et exactement, et Afrique du Sud. Voilà. Donc ce n'est pas rien. On l'avait dit, rappelez-vous, que l'économie russe serait à terre. Nous assistons, comme disait Bruno Le Maire, à l'effondrement de l'économie russe. On sait ce qui s'est passé depuis. Au fond, est-ce que, du point de vue géopolitique, justement, et géostratégique, est-ce qu'on assiste à une recomposition, on pourrait presque dire un basculement, Caroline Galactéros, après 4 mois de guerre et d'invasion? Tout à fait. En fait, nous sommes sans arrêt dans l'immédiateté des actions, des réactions sur le conflit ukrainien. Mais ce qui se passe derrière, à cette occasion, et qui est accéléré par, certes, l'opération russe, mais tout ce qui l'a précédé, tout ce qui l'a préparé, d'une certaine manière, c'est une bascule du monde beaucoup plus globale, qui était en germe depuis déjà des années, mais qui, là, prend un coup de fouet. Mais cette bascule du monde, c'est finalement la contestation de plus en plus organisée, poursuivie méthodiquement entreprise, d'un ordre occidental, à la fois politique mais aussi économique et financier, qui ne correspond plus à la réalité du monde. Et en fait, l'Occident, j'allais dire, a un peu pris ses désirs pour des réalités après la fin de la guerre froide, et on est maintenant au bout d'une longue ligne, ça a mis quelques décennies, finalement, où on s'est imaginé que l'hégémonie occidentale, avec comme puissance de tête l'Amérique, pourrait se poursuivre et que le monde... Indéfiniment, et que le monde s'y ferait. Mmh. Voilà. Or, il s'est passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses depuis 1991 et il y a eu, à mon avis, une autre ligne, mais qui ne se voyait pas et dont on ne parlait pas, et qu'on a gentiment recouvert de tout un tas d'arguments moralisants, absolument, en fait, d'un grand cynisme, qui était cette ligne de discrédit moral et politique de l'Occident, notamment à travers toutes ces interventions qui ont eu lieu depuis 1991. Irak, Koweït, Serbie... Syrie, Libye,
Yémen, enfin bon, ça n'arrête pas. Et aujourd'hui, Ukraine. Et aujourd'hui, Ukraine. Il y a eu une invasion russe d'un État souverain, c'est évident. Mais cette invasion russe, cette action que nous percevons comme une pure agression sortie tout armée de l'esprit malade et maléfique du président russe, est, si vous voulez, quand même le résultat d'un long processus de dégradation. C'est ça, oui. Voilà, de la sécurité en Europe. Et de la sécurité en Europe, plus généralement. On n'a pas voulu le voir, ça n'existait pas, il y avait l'Occident, et puis le reste... Ça ne nous convient pas, on est dans la méthode Coué, déjà, en termes de puissance et d'influence, clairement, on pratique, on est très bon, on est très très bon. Donc on est dans une déconnexion, et surtout les Européens, parce que les Européens ne se rendent pas compte de la nasse dans laquelle ils sont en train de se mettre. Suivant l'Amérique, on va en parler, mais on est dans une déconnexion totale avec la réalité des évolutions des lignes de force du monde. Bien sûr, l'émergence de la Chine, mais aussi la résurgence d'un certain nombre de puissances, qu'on dirait régionales ou pour la Russie globale. Comme par exemple comme la Turquie, comme l'Iran, comme certaines puissances africaines d'ailleurs, qui bien sûr nous avons les Russes qui eux, après cette décennie catastrophique, de leur point de vue, catastrophique des années 90, sont repartis à l'assaut de leur puissance perdue, si vous voulez. Et on voit bien aujourd'hui qu'en dépit du monceau, du tombereau de sanctions dont on les agonie jour après jour, eh bien malgré tout, ces lignes de puissance, de volonté de puissance et de refus de la marginalisation mondiale et géopolitique, elles sont toujours là et elles s'expriment. Et on se demande si ces sanctions ne servent pas de râteau qui nous retombe dessus en boomerang. Ah mais ça c'est tout le problème des sanctions. D'abord il y a un problème moral, c'est-à-dire quand même, on sait bien que derrière l'arme économique des sanctions, il y a en fait l'idée qui est vraiment tout sauf morale précisément et certainement pas éthique, qui est de faire souffrir les peuples pour qu'ils déposent leurs dirigeants. Voilà, pour que ça change. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne faudrait pas que les Européens s'imaginent qu'ils vont conquérir une forme de puissance, d'influence ou de liberté en faisant ce qu'ils sont en train de faire sur ordre, hein, quasiment. Alors, bilan de la présidence française de l'UE, dit par Dalien un tweetos, je le cite, c'est amusant, c'est que l'économie russe et le rouble au plus haut, l'Europe rachète à l'Inde du pétrole russe beaucoup plus cher, importe du gaz de schiste US, relance d'ailleurs les centrales à charbon, hein, c'est intéressant, au nom de l'écologie évidemment triomphante, l'économie s'effondre, l'inflation ruine ménages et entreprises. Mais quel succès, Caroline Galactéro, ça marche très bien. Ah non, mais c'est fabuleux. Non, mais là, c'est de main de maître. C'est géré de main de maître. Pour moi, c'est extrêmement douloureux, à vrai dire, d'observer la manière dont on a compris, puis géré ce qui est en train de se passer. Et je pense qu'en fait, l'Europe est en pleine dissonance cognitive, si vous voulez. Expliquez. C'est-à-dire qu'elle se perçoit comme rassemblée derrière une bannière étoilée, mais dont elle ne parle pas trop. Elle pense à ses étoiles à elle, aux étoiles du drapeau européen. Mais enfin, elle se pense réunie, sûre, ferme, vraiment cohérente face à la Russie. Volontaire et déterminée. Voilà, et vraiment, il y a eu un accélérateur de puissance de la crise ukrainienne sur l'Europe, c'est évident. Mais là aussi, on est en pleine méthode Coué. Parce que pendant ce temps, donc elle a cette réalité et on peut parier que d'une certaine façon, les dirigeants européens y croient, au moins partiellement. Mais en même temps, le réel, vous avez fait un bilan rapide et sans appel, le réel, eh bien, c'est que l'Europe, elle est en pleine déliquescence. Non seulement elle est en train de s'enfermer dans un piège d'une dépendance qui sera, à mon avis, bien plus redoutable que la dépendance au gaz russe, qui est la dépendance énergétique vis-à-vis des États-Unis. Ça va se faire sur quelques années, mais là, la bascule s'est opérée aussi. Alors, déjà, il y a un problème d'équilibre stratégique en Europe. Il faut absolument
le restructurer, le refonder. Il a été méthodiquement détruit à l'initiative américaine depuis la fin de la guerre froide. Il nous reste aujourd'hui que START, le New START. Hein. Tous les autres accords ont été coupés en morceaux. Il faut absolument que l'Europe ne s'imagine pas que sa vassalisation stratégique vis-à-vis des États-Unis va lui garantir une sécurité et un équilibre durable. Le parapluie n'est pas garanti, quoi. Ouais. Mais non, parce que l'OTAN est à l'attaque, l'OTAN est offensive. Là, on le voit bien, et on le voit même en Ukraine, puisqu'on sait très bien que depuis au moins 2015, il y avait des installations, des activités, du conseil, des fournitures. Tout ça n'est pas sorti d'un chapeau le 24 février dernier. C'est clair. Bon. Donc, il y a une avancée ininterrompue de l'OTAN depuis la fin de la guerre froide. On peut toujours expliquer que ça n'est dirigé contre personne, c'est comme le bouclier antimissile, il paraît que c'était contre l'Iran, enfin quand même, quand vous êtes russe, vous posez deux, trois questions. On peut continuer à nier les évidences. Mais l'évidence, c'est que plus l'OTAN, qui n'a jamais été entre nous en état de mort cérébrale, ça c'est encore un rêve, ça c'est encore... Non, la France est en état de mort cérébrale, comme je dis toujours. Nous on est en mort cérébrale stratégique. Vous pensez, oui, on peut dire ça aujourd'hui. Ah oui, mort cérébrale stratégique aujourd'hui. On est quand même... On ne comprend plus rien à ce qui se passe. Et on s'imagine qu'on agit, alors qu'en fait, on s'agite. C'est tout. On est à des années-lumière de la gravité des enjeux. Il faut du courage, il faut oser faire un pas de côté, il faut oser ne pas être d'accord en permanence avec tout ce qu'on nous balance comme consigne. Il faut une posture et une action concrète qui va très au-delà de la téléphonie aiguë, quoi. Si vous voulez, c'est pas à la hauteur du problème. Les sanctions économiques et financières sont même d'une efficacité redoutable. Et je veux laisser planer aucune ambiguïté sur la détermination européenne sur ce sujet. Est-ce que pour les entreprises françaises, il peut y avoir un effet également boomerang de ces sanctions ? Alors d'une certaine manière, oui, parce qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui sont exposées. Il y a 35 entreprises sur les 40 du CAC 40 qui sont présentes en Russie. La Bourse de Paris vient tout juste de démarrer sa séance, une séance en baisse, dès la première minute, moins. We expect inflation to remain undesirably high for some time. Firms continue to face higher costs and disruptions in their supply chains. Taken together, these factors are significantly clouding the outlook for the second half of 2020. Consommation. Et surtout, aurons-nous encore les moyens de financer les aides dont nous parlons quand le pays, en plus d'un argent qui coûte plus cher, doit bientôt rendre sa copie à Bruxelles ? Le plus besoin, ceux qui souffrent le plus de l'augmentation des prix alimentaires, des prix du carburant, des prix de l'énergie. Donc... The Netherlands, Italy, of course, the countries that are big manufacturing exporters outside the EU borders. Sur ce sujet, nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Nous allons... Franchement, la vie à Moscou a l'air complètement normale. Là, je suis dans un supermarché de quartier. Il n'y a pas de pénurie visible. Et regardez, il y a même du coca. L'inflation telle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire forte, elle va continuer à augmenter jusqu'à la fin de l'année 2022. On voit qu'elle continue à progresser. Ça va dépendre aussi de ce qui va se passer en Ukraine. De leur côté, les acheteurs se plaignent des augmentations et voient leur budget réduit. Les Italiens sont appelés aux urnes. Ça se tend entre Bruxelles et nos voisins transalpins. L'Union des droites est aux portes du pouvoir et Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a mis en garde l'Italie. Si des atteintes à la démocratie sont signalées, eh bien Bruxelles, voilà ce qu'elle dit, dispose d'instruments de sanctions, comme ça peut être le cas à l'encontre de la Hongrie ou encore de la Pologne. On écoute Ursula von der Leyen, c'était à Washington, c'est très intéressant parce qu'en plus elle prend la parole et derrière, il n'y a pas de drapeau ni européen ni français, d'ailleurs français non, mais européen, c'est un drapeau américain. Elle va dire tout cela donc depuis Washington. On écoute. We'll see. On verra si les choses deviennent compliquées.
J'ai parlé de la Hongrie et de la Pologne. Nous avons des outils. Poland, we have tools. Democracy is... La démocratie est un travail constant. Nous n'avons jamais fini. Ce n'est jamais sûr, vous savez. Vous le mettez dans une boîte et vous le gardez. Mais la question est de savoir comment les gens défendent la démocratie. Nous verrons le résultat des élections en Italie. Nous avons également eu des élections en Suède. Mon approche est que, quel que soit le gouvernement démocratique qui est prêt à travailler avec nous, nous travaillons ensemble. Ingérence ou non, Henri Guénaud. Alors, d'abord, Madame von der Leyen. On va le retenir, ce Von der Leyen. Madame von der Leyen, c'est le visage de l'Europe maastrichtienne. On vient d'en fêter le 30e anniversaire, qui échoue de plus en plus et qui se réagit à ses échecs et à son naufrage par la fuite en avant permanente. Donc toutes les crises sont bonnes pour augmenter les pouvoirs de l'Union européenne, sans d'ailleurs passer par les peuples, sans leur demander leur avis. Et on l'a vu avec le plan de relance pendant la crise de la pandémie, qui préparait en fait le fédéralisme budgétaire sans avoir aucune utilité économique. Mais ça continue, c'est-à-dire qu'elle est devenue, j'allais dire, un vrai danger pour l'Europe. Elle incarne tellement cette Europe de la fuite en avant qu'elle est devenue un danger. Elle a déclaré en même temps, elle a déclaré que faire un cessez-le-feu c'était hors de question, qu'elle est totalement opposée à l'idée d'un cessez-le-feu en Ukraine. Maintenant, elle vient expliquer que, elle vient menacer, en fait, les électeurs italiens, en leur expliquant que s'ils ne votent pas bien, eh bien, l'Europe a des instruments pour les remettre dans le droit chemin. Bon, ça n'est pas acceptable. C'est même plus de l'ingérence, là. Elle est sortie complètement de son rôle. Mais ce qui est le plus inacceptable dans cette affaire, c'est que les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne la laissent faire, la laissent parler, la laissent agir. Et franchement, ça devient, je trouve, là aussi très, très, très dangereux. C'est devenu un danger. Alors on l'a vu, bien sûr, trois explosions ont touché à la fois Nord Stream 1 et Nord Stream 2. Les autorités et les spécialistes s'accordent à dire qu'il s'agit d'un sabotage, probablement russe. Alors aujourd'hui, une grande question, une très grande question, les Russes sont-ils masochistes? Parce qu'on le savait, ils étaient méchants, mais comment ne pas être méchant en temps de guerre? Ils étaient sans pitié. Tout le monde sait qu'on ne peut faire la guerre qu'en douceur. Mais on ne les connaissait pas masochistes. Enfin, si, excusez-moi, depuis le mois d'août, on pouvait les connaître masochistes. Rappelez-vous, quand ils s'auto-bombardaient, vous rappelez cette histoire de l'auto-bombardement des troupes russes dans la centrale de Zaporizhzhia. Vous vous en rappelez? Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Parce que c'est la même chose, on est dans la même configuration. Après la centrale de Zaporizhzhia, ça peut maintenant être Nord Stream 1 et 2. Les salauds de Russes se sont sabordés. Oui. Le consensus auquel je me rallie, c'est oui, c'est un attentat et c'est un État. Pour moi, l'hypothèse la plus logique est que ce sont les Russes qui l'ont fait à titre de démonstration. Les terroristes, ils ont osé saborder leur pipeline. Ben voyons. Du coup, les regards, ils se tournent vers Moscou. Et oui, si ce n'est pas les Américains, si ce n'est pas un pays européen, parce qu'on ne voit pas lequel aurait intérêt à ce sabotage, on n'imagine pas non plus que l'Ukraine en soit capable. Donc, par déduction, reste qui? Il reste effectivement les Russes, dont les sous-marins sont très présents dans la zone 365 jours par an. Si c'était le cas, ce serait le signe d'une fuite en avant, de la volonté de définitivement priver l'Europe de gaz, en espérant que l'Europe grelotte et que les opinions publiques européennes se retournent contre les sanctions. Là, vraiment, je trouve que nos médias en font trop. Je trouve vraiment que là, ça suffit. Ils insultent, ils nous insultent. Ils insultent notre intelligence. Ça suffit. Les images parlent d'elles-mêmes. Ce pont reliant la Crimée au territoire russe a été gravement endommagé samedi matin après l'explosion d'un véhicule, selon Moscou.
Conséquence, deux voies routières se sont effondrées partiellement et sept citernes ferroviaires qui allaient vers la Crimée ont été incendiées. Le trafic a dû être arrêté. Ce pont est essentiel au transport des personnes, des marchandises, mais aussi des troupes déployées par Moscou en Ukraine. La Crimée a été annexée en 2014 par la Russie. Moscou a toujours affirmé que l'infrastructure ne risquait rien en dépit des combats. L'arche du pont n'a pas été touchée, selon le comité saisi pour enquêter. Les Russes ont quitté la quasi-totalité de la rive orientale de la rivière Oskil. Donc, a priori, ça émane de l'armée russe. Maintenant, l'histoire militaire russe nous incite à la plus grande prudence quant au mouvement de retrait. On pourrait rappeler ce qui s'était passé avec Napoléon Bonaparte, puis après avec Hitler. La stratégie militaire russe est parfois bien insondable et je pense que nous serions bien avisés d'avoir beaucoup de prudence sur ce sujet-là. Ce qu'il faut retenir, je pense, c'est que la ligne de front n'est pas stabilisée. L'Occident, entre nous, les États-Unis et Mme von der Leyen, veulent détruire la Russie. Or, je pense que c'est une très grave erreur. Et je pense que c'est le moment où la Russie est affaiblie qu'on doit tendre la main pour dire maintenant stop. On applique les accords de Minsk, on calme Zelensky qui est de plus en plus fou, et on peut-être sauve la mise de Poutine, Poutine s'en va, il y aura un autre qui sera peut-être beaucoup plus grave. Probablement, mais je vais vous dire, ça dépend pas de vous, ça. Ça dépend de Biden. Tout à fait. N'oubliez pas qui a des intérêts à la Maison Blanche. Qui a des intérêts en Ukraine. Et donc, ça va dépendre des élections américaines. Parce que s'il y avait eu Trump, on n'en serait pas là. L'Europe a un nouveau mot d'ordre, économie d'énergie. Le gouvernement français a appelé ce jeudi à une mobilisation générale du pays pour réduire la consommation de 10% au cours des deux prochaines années dans le cadre d'un plan ambitieux pour réduire la dépendance à l'étranger et éviter des coupures d'approvisionnement. Les Ukrainiens accusent les Russes d'avoir saboté le pont. Les services secrets russes sont accusés par les Ukrainiens d'avoir saboté le pont. Vladimir Poutine va réunir aujourd'hui son conseil de sécurité au lendemain de l'explosion qui a frappé le très stratégique pont qui relie la Crimée et la Russie. Le président russe accuse les Ukrainiens de terrorisme. Oui, le pont de Kerch a une importance stratégique et surtout symbolique. Poutine l'a voulu, il l'a inauguré, il a même été le premier à l'emprunter au volant d'un camion. Tout le week-end, les dirigeants ukrainiens se sont mordus les lèvres pour ne pas hurler de joie. Ils ont revendiqué le coup à demi-mot, puis ils ont démenti mollement, et finalement ils ont accusé les services secrets russes de s'être livrés à un règlement de compte obscur. C'est le détail qui tue, c'est le retour du syndrome libanais. C'est-à-dire, Vincent? Dans les années 80, le Liban était la foire d'empoigne des milices, des voisins, des parrains de la région, des grandes puissances, la guerre de tous contre tous. J'avais là-bas un ami très intelligent, on va l'appeler Joe. Joe est un professionnel du renseignement, expert en mort violente. Joe m'expliquait après chaque attentat que celui qui avait fait le coup n'est pas celui à qui il profitait, mais un troisième qui voulait incriminer le suspect le plus évident, ou encore un quatrième qui voulait aggraver le chaos. Cette mise en abîme vertigineuse, c'est le syndrome libanais. Aujourd'hui, il y a un syndrome ukrainien. Alors, quand le pont de Crimée saute, Kiev accuse les services russes, sans rire. Quand les lignes électriques qui alimentent la centrale nucléaire de Zaporijjia et assurent le refroidissement du réacteur sont coupées, Kiev prétend qu'elles ont été bombardées par les artilleurs russes. Ils mettent en danger l'installation qu'ils occupent et qu'ils viennent d'annexer. On n'est pas plus maladroit. Quand une journaliste est assassinée à côté de Moscou, encore les services russes, ils visaient son père, Alexandre Douguine, un intellectuel qui inspire Poutine, mais qui n'est pas monté dans la voiture piégée. La presse française reprend cette théorie et enterre la consoeur sans verser une larme. Quand Nord Stream 1 et 2 sont sabotés en mer Baltique, envoyant par le fond 13 milliards de dollars et créant l'irréversible, encore un coup des Russes. Je vous sens sceptique, Vincent. Les affaires libanaises ont fini par être élucidées. 10 ans après, les témoins parlent, les archives s'ouvrent. Et l'hypothèse la plus simple, c'est toujours vérifier. Ce sont bien les Syriens qui ont tué Béchir Gemayel. Ce sont bien les forces libanaises qui ont fait sauter l'hélicoptère du Premier ministre Rachid Karame. Et ce sont bien les Iraniens et le Hezbollah qui ont pulvérisé Rafik Hariri, etc., etc. Le New York Times, citant des sources du renseignement américain, a rapporté que les services ukrainiens avaient tué Daria Douguine et raté son père. On comprend que les Ukrainiens détestaient le vieux
théoricien du panslavisme qui prétend que leur nation n'existe pas. De là à mettre une bombe dans sa voiture, il y a un pas que les démocraties s'interdisent de franchir, c'est du terrorisme d'État. S'il s'avère que pareillement, les services américains ou occidentaux ont saboté les gazoducs, ce qui serait d'ailleurs logique, mais sans précédent, on saura que désormais toutes les provocations sont permises et que Poutine n'est pas le seul à jouer avec le pire. Deux millions de barils en moins par jour, ça aura quel effet pour les consommateurs ? C'est effectivement un volume important. Il s'agit des réductions de production les plus importantes décidées par l'OPEP+, depuis le printemps 2020, en pleine période, en pleine pandémie de Covid-19. En anticipant cette décision, les marchés pétroliers avaient déjà poussé les prix du pétrole à la hausse au cours de ces derniers jours, mais les marchés anticipaient plutôt une réduction de la production de l'ordre de 1 million de barils par jour. Or, c'est le double qui semble avoir été décidé par l'OPEP+. Mais les Américains sont à la manœuvre depuis plusieurs mois pour faire que l'OPEP+ produise plus. Et là, non seulement ils vont produire moins en novembre, mais nettement moins. Donc à Washington, à la Maison-Blanche, on est forcément très très mécontent. Et il se peut qu'il y ait certaines représailles. J'estime qu'aujourd'hui, on ne doit plus livrer d'armes à l'Ukraine pour calmer Zelensky, qui s'est livré à des actes de sabotage, le pont de Crimée, le gazoluc qui a sauté, c'est pas, sans doute pas la Russie. Zelensky est à va-t-en-guerre, soutenu par l'Union européenne avec des déclarations de folie de M. Borrell cette nuit, de Mme von der Leyen, qui est accusée en plus de corruption. C'est pas possible de continuer comme ça. Guerre. Le président russe ordonne aujourd'hui l'instauration de la loi martiale dans les quatre territoires ukrainiens de Donetsk, Luhansk, Kherson et Zaporizhia, des régions annexées en septembre dernier par Moscou. La mesure sera effective à compter de ce jeudi à minuit, annonce faite lors du Conseil. Vladimir Poutine vient de décréter la loi martiale dans les territoires ukrainiens annexés par la Russie. Est-ce que c'est grave ? La loi martiale, ça signifie le couvre-feu et la censure, et qui dit loi martiale dit la guerre, mais Vladimir Poutine n'a pas encore prononcé le mot tabou. Officiellement, son armée mène toujours une opération spéciale. Le Donbass vit en fait sous l'état d'urgence depuis 8 ans. La loi martiale ne change rien. La guerre s'aggrave quand elle embarque délibérément les civils, quand ils sont traités en combattants, quand ils sont par exemple une cible et pas seulement un dommage collatéral. Et c'est bien ce qui est en train de se passer en Ukraine. Alors, autre fait de guerre, Vincent. Depuis le début de la semaine, les habitants de Kiev, et ça illustre ce que vous dites sur les civils, les habitants de Kiev sont visés par des drones kamikazes. Oui, l'arme est faite pour susciter la terreur, le danger vient du ciel, ils se préparent donc à passer l'hiver en claquant des dents, de peur et aussi de froid, puisque les centrales électriques sont systématiquement bombardées, un tiers d'entre elles sont déjà hors service. Les Européens s'indignent et dénoncent un crime de guerre, les mêmes se taisent quand des obus anonymes tombent sur la centrale électrique de Bodorov, la ville russe de l'autre côté de la frontière. L'Europe en fait admire le courage du peuple ukrainien et c'est pour ça que le Parlement européen lui a décerné hier le prix Sakharov pour la liberté de penser. Les Russes aussi reconnaissent, puisqu'ils tentent de briser cet esprit de résistance par des bombardements aveugles. Alors la guerre s'aggrave, elle s'étend également, Vincent. Elle a déjà frappé loin de l'Ukraine, dans la Baltique, elle déborde sur la Russie, à Bodorov ou à Sébastopol. Le Kremlin prend la menace au sérieux, puisque le groupe Wagner fortifie la frontière du côté de Lugansk avec des tranchées pour contenir une nouvelle offensive ukrainienne. La spirale entraîne aussi les voisins, la Biélorussie glisse, bien que le tyran soit debout sur les freins. L'Iran envoie des drones et des formateurs militaires. Les Mollahs n'attendent plus rien de l'Europe. La révolte des mâles voilés a enterré tout espoir d'arriver à un accord sur le nucléaire. Et la Corée du Nord aussi fournit des obus. On voit la guerre simplifie les équations et à terme, le monde devra choisir son camp pour ou contre l'Occident. Oui, c'est frappant. Le nouveau chef des opérations russes, le général Sourovikine, dit, lui, qu'il se prépare à de mauvaises nouvelles dans les 2 mois qui viennent, Vincent. Et il fait évacuer les civils de Kherson à tête de pont qui commandent l'accès à la Crimée. 20 000 soldats vont s'enterrer en attendant l'hiver. Les artilleurs pourront s'en donner à cœur joie et le sort de Mariupol est promis à Kherson. Mais cette fois, les Russes sont à l'intérieur, décidés à tenir leur position jusqu'à l'arrivée de la relève au printemps. Bref, la guerre s'aggrave, elle s'étend et elle va s'éterniser.
Alors, sommet sur l'énergie aujourd'hui, sommet européen à Bruxelles. C'est un sommet pour essayer de calmer les prix, parce que rarement Berlin et Paris, l'Allemagne et la France, donc, auront affiché des points de vue aussi opposés. Ah ouais, vous allez voir, ça va même assez mal entre Paris et Berlin. Donc ce sommet européen à Bruxelles, aujourd'hui, bah, il va être sans doute décisif sur l'énergie. Les prix, bon, je vous le rappelle, hein, pour mémoire, les prix flambent du gaz, donc de l'électricité, les deux sont liés. Tout ça alimente une inflation qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Bon, alors face à la crise du prix de l'énergie, est née, bah, il faut le dire maintenant, une crise européenne. Oui, oui, il y a deux crises, il y a la crise de l'énergie et la crise européenne. Ce qui reste du couple franco-allemand est mis à très rude épreuve. Il faut dire que la puissante Allemagne joue sa partition, finalement sans se soucier du reste de l'Europe et du qu'en dira-t-on diplomatique. Ouais, pourquoi vous dites que Berlin joue solo ? Emmanuel Macron avait vanté et a vanté la solidarité européenne, non ? Ah oui, 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 le président de la République parle de solidarité européenne, mais on a l'impression qu'il n'y a plus que lui, ou presque, qui semble y croire, parce que Berlin, sans rien demander aux autres, a mis 200 milliards d'euros sur la table pour protéger ses entreprises et ses citoyens. Résultat, l'Allemagne, qui a misé sur le charbon et le gaz, entre parenthèses, ces écologistes nous ont mis dans le mur avec notre propre secteur nucléaire, l'Allemagne peut acheter encore à des prix élevés d'énergie. D'ailleurs, qui pourrait reprocher l'Allemagne de protéger ses citoyens et ses entreprises. Problème, les autres pays en Europe, dont la France qui a mis quand même 65 milliards, peuvent pas suivre financièrement le bouclier tarifaire allemand qui joue solo. Le sommet décisif, ce sommet européen promet d'être très chaud. Là où la France voudrait plafonner le prix du gaz, eh bien l'Allemagne et son chancelier n'en veulent pas. Preuve de cette discorde qui ne cesse de monter entre Paris et Berlin, bien sachez que le Conseil des ministres franco-allemands, bon, c'est une réunion un peu symbolique, mais qui montre l'amitié, la coopération, la solidarité entre les deux, eh ben ce Conseil des ministres franco-allemands a tout simplement été purement annulé. C'est l'OTAN qui se trouve défié dans cette affaire, Vincent. Oui, les dirigeants occidentaux sont à Bali, ils ont réagi avec une extrême prudence et halte au feu, on dirait vraiment qu'il y a un loup. Joe Biden promet une enquête pour déterminer ce qui s'est passé. Le commissaire Biden juge improbable que le missile russe ait été tiré de Russie. À vrai dire, il y a une telle concentration de moyens de renseignement, notamment aériens, que personne ne peut lancer un pétard dans la zone sans se faire remarquer. Et les missiles russes sont un peu comme les Kalachnikov en banlieue, on en trouve partout, notamment en Biélorussie ou en Ukraine, évidemment. Et c'est pour ça que les conseillers d'Emmanuel Macron, la nuit dernière, soulignaient qu'identifier le missile ne veut pas dire identifier le tireur. Bref, les Occidentaux sont debout sur les freins. Ils veulent savoir d'où le tir est parti, peut-être le savent-ils déjà, si le tir a été délibéré, si l'engin s'est égaré, s'il a été dévié par la défense ukrainienne, si c'est la défense ukrainienne tout simplement. En tout cas, qu'est-ce qui s'est réellement passé ? En tout cas, pour la première fois depuis la création de l'Alliance Atlantique, un engin russe est tombé sur le sol de l'un des pays de l'OTAN. Oui, parce que pendant 50 ans, l'organisation n'a attendu que cela. Elle s'est entraînée à résister à l'armée rouge. Quand elle a perdu son ennemi, elle a trouvé une nouvelle raison d'être en Yougoslavie, elle a fait enfin la guerre au Kosovo, elle y a pris goût, elle a continué en Afghanistan, en Irak, en Méditerranée. Mais bon, l'Alliance gardait l'œil sur le Kremlin. Et même si un tracteur et deux paysans polonais ne font pas un objectif militaire, ça fait 70 ans que l'OTAN se prépare à défendre chaque centimètre carré de son territoire contre les empiétements de Moscou. Chaque centimètre carré, c'est l'expression de Joe Biden, que répètent encore les dirigeants polonais qui ont l'habitude que l'ours russe leur marche sur les pieds, leur arrache le cœur, déplace les frontières, liquide leurs élites. Alors la Pologne sait que le pire peut arriver quand on se retrouve seul, et hier soir à Varsovie, c'était le branle-bas de combat, réunion de crise, état d'alerte, etc. Et puis le président Duda a parlé d'incidents isolés, d'enquêtes à mener. Plus question d'activer l'article 4 de la charte atlantique qui prévoit la réunion et la consultation de tous les membres de l'organisation, c'est-à-dire la mobilisation générale des diplomates, l'article 5 étant elle la mobilisation des militaires, l'union sacrée en cas d'agression. On n'en est vraiment pas là. Alors voyons maintenant ce que dit la Russie. Elle parle de provocation et dénonce une escalade. Alors elle prétend n'avoir frappé aucun objectif près de la frontière. On n'est pas obligé de la croire, elle fait la guerre, c'est-à-dire des erreurs et des mensonges. En tout cas, elle ne revendique pas, elle n'assume
pas, elle ne nargue pas la Pologne en lui disant « c'est bien fait » par exemple. En réalité, il y a une évidence politique, c'est que ce bombardement tombe mal. On peut comprendre qu'après la défaite de Kherson, le Kremlin est tenu à montrer que sa capacité de nuisance restait intacte en lançant hier une pluie de missiles sur les villes ukrainiennes. C'est criminel, mais c'était prévisible. C'est bien dans les manières de Vladimir Poutine de s'affirmer ainsi, alors qu'il est absent du sommet du G20, une façon de dire que rien ne l'intimide. Mais étendre la guerre à l'Europe voisine, frapper un pays de l'OTAN, c'est une toute autre affaire. C'est comme jeter un parpaing sur le cocktail donné à Bali, à ses amis, les Chinois, les Indiens, les BRICS, les non-alignés. En tout cas, au G20, personne non plus ne souhaite l'escalade. Ben, c'est même le contraire, on cherche à sortir. Les Occidentaux rechignent à livrer de l'artillerie plus puissante aux Ukrainiens, qui n'hésiteraient pas à bombarder la Crimée. La Troisième Guerre mondiale ne fait pas peur à Volodymyr Zelensky. Il l'appelle de ses vœux, les Américains refusent de s'y laisser entraîner. Ils ont une autre priorité, c'est le duel avec Pékin. Alors dans l'affaire ukrainienne, ils ont renoué le dialogue avec le Kremlin. Le chef de la CIA et son homologue russe se sont vus discrètement ce week-end en Turquie. Après le sabotage des gazoducs en septembre, vous vous souvenez, c'est la deuxième fois que la guerre sort d'Ukraine. Le bombardement d'une ferme en Pologne ressemble davantage à une bavure, mais c'est quand même un deuxième avertissement. Il faudrait que la guerre reste et se termine en Ukraine. Il était venu chercher un soutien sans faille. Volodymyr Zelensky a mis tout son talent d'orateur et sa force de conviction pour rallier le Congrès américain à sa cause. Point d'orgue de cette visite d'État surprise à Washington, la première depuis le déclenchement de l'invasion russe. Le président Joe Biden l'avait déjà rassuré quelques instants auparavant, à l'issue d'un tête-à-tête, nous ne vous lâcherons pas. Aviva Fried, vous êtes la correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Mission donc accomplie pour Volodymyr Zelensky. Oui, Volodymyr Zelensky a fait une très forte impression lors de son voyage éclair aux États-Unis. Le président ukrainien était en mission séduction auprès de son principal allié et c'est plutôt réussi. Comme l'a rappelé Joe Biden, l'Ukraine n'est pas abandonnée. Aux Ukrainiens, je leur dis, vous n'êtes pas seuls. Quand la liberté de l'Ukraine a été menacée, les Américains n'ont pas hésité. Alors la partie la plus compliquée, c'était le discours de Volodymyr Zelensky devant le Congrès et là aussi, gros succès du président ukrainien. En 25 minutes, il a su faire vibrer les cordes sensibles des élus, en citant pêle-mêle la révolution américaine, la guerre contre la terreur, la menace iranienne et la fête de Noël, et surtout en insistant sur le bien fondé d'envoyer une aide financière à l'Ukraine. Your money is not charity. Votre argent n'est pas de la charité, c'est un investissement dans la sécurité et la démocratie mondiale, et nous l'utilisons de la manière la plus responsable. Volodymyr Zelensky a eu droit à une très longue ovation d'élus, très ému lorsqu'il a offert au Congrès un drapeau ukrainien signé par des soldats du front. Un geste symbolique, mais une fois l'émotion retombée, pas sûr que cela suffise à faire changer d'avis certains républicains, de plus en plus réticents à payer pour l'Ukraine. Charles Gave, effectivement, jusqu'à présent, ça avait l'air de bien fonctionner, tout ça. Les narratifs étaient très clairs, que ce soit sur le Covid, que ce soit sur Ukraine-Russie, que ce soit sur le salaud de Trump et le merveilleux Biden, les élections américaines, et puis tout le reste. Et puis tout d'un coup, ça s'effrite, la termitière ne tient plus. Qu'est-ce qui se passe ? Je vais essayer de remonter un petit peu en arrière, mais on arrive à un moment intéressant. C'est, si j'ose dire, l'empire du mensonge s'écroule. Revenez 30 ans en arrière, quand l'Union soviétique s'est écroulée, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y avait deux possibilités. Dans le fond, la première, c'était on arrêtait l'OTAN, on fermait l'OTAN, et puis on se mettait... Il y avait plus de raison d'avoir... Le pacte de Varsovie n'existe plus. Donc on essayait de trouver des arrangements avec tout le monde, on aidait la Russie à se développer, on allait vers un commerce libre, des nations indépendantes, et tout allait très bien. Et l'autre possibilité, c'était pour les États-Unis d'essayer de consolider ce qu'on a appelé l'hyperpuissance américaine. Et ils ont choisi de consolider l'hyperpuissance américaine, ce qui force immédiatement les autres pays à se relancer dans une course militaire, à reprendre des distances, etc. Et pour tenir le coup, ils nous ont raconté toute une série de mensonges pour arriver à un gouvernement mondial qui serait sous le contrôle des États-Unis, parlons clairement. Ils nous ont raconté toute une série de mensonges. Le premier, ça a été, si j'ose dire, l'espèce d'extraordinaire mensonge
sur les invasions militaires faites par les États-Unis. Ceux qui se tenaient pas bien, on les envahissait. Ils ont quand même envahi, ils ont bombardé la Serbie pendant 72 jours de suite. Vous vous en souvenez qu'ils avaient... 99, sans l'aval de l'ONU, sans l'OTAN. Sans l'aval de l'OTAN. Ouais. Ensuite, ils sont rentrés dans l'art de l'Irak. Il n'y avait pas d'armes de destruction massive. Puis, ils ont essayé de faire sauter le gouvernement syrien. Puis, bref, La Libye, l'Irak, etc. Ensuite, ils nous ont instrumentalisé le dollar, puisque chaque fois qu'on fasse une transaction internationale, entre vous et moi, ben, il y avait vous, moi, et puis la CIA qui était au courant, quoi. Donc, c'était aussi un truc dont j'avais dit que ça risquait de mettre la fin au dollar. Ça, c'était en 2012. Et puis, il y a eu cette merveilleuse histoire du Covid qui donnait le pouvoir, par le moyen médical, et enlevait toutes nos garanties constitutionnelle de liberté. Oui, il faut rappeler que tous les laboratoires étaient aux États-Unis. Enfin, tout a été fait aux États-Unis. En Chine, interposée. Mais et puis, il y a eu un coup d'État organisé par la CIA, qui s'en est pas caché d'ailleurs, en Ukraine, pour remplacer un président normalement élu, qui était favorable à la Russie, par un président... 2014. Donc, on a eu une série de mensonges comme ça, dont on nous a dépouillé le réchauffement atmosphérique, qui aussi nécessite un gouvernement mondial. Et tous ces trois mensonges monstrueux sont en train d'imploser. Mais alors comment ça se fait? Comment ils implosent? Ben, c'est vrai, si j'ose dire, vous savez, vous avez peut-être quelques connaissances théologiques. Le prince de ce monde, c'est-à-dire Satan, est le prince du mensonge. Et le roi meurtrier. C'est-à-dire que là, Satan est naturellement menteur. Et je crois que les États-Unis sont tombés sous la coupe d'une espèce de mafia, appelons par ce nom, qui considère que le pouvoir est une fin en soi. Et je vous raconte Que tous les moyens sont bons. Et que la fin justifie les moyens. Ouais. Ce qui est le début de tous les totalitarismes. Ce qui n'était pas dans les habitudes américaines. Il y a une série de gens qui sont arrivés. La fin justifie les moyens. Ça devait être en 2008 ou 2009, j'ai été invité un jour à un petit déjeuner par le président de la réserve fédérale de Kansas City, donc un beau voting member de la Fed, de la Banque Centrale Américaine. Et donc on a discuté de ce qui se passait. Il m'a dit, mais Charles, vous m'êtes très sympathique. Mais il faut que je vous dise un truc, c'est que à la fin des années Clinton, pendant les années Clinton, une classe criminelle a pris le pouvoir aux États-Unis et gère les États-Unis en fonction de ses besoins et de ses attentes. Et la question, c'est, me disait ce gars, c'était un banquier central, c'est la première fois que je le voyais, donc il devait être assez alarmé. Il m'a dit, la question, c'est comment allons-nous retrouver notre démocratie? Donc il faut bien se rendre compte que c'est... Est-ce qu'il n'exagérait pas quand même un peu, Charles? Ben, il était quand même au board member, il voyait très bien les taux d'intérêt mis à zéro qui faisaient la fortune de Goldman Sachs, après ça, je me suis dit, ben, moi j'ai du mal à croire à la théorie des complots, parce qu'en principe, j'ai tendance à croire. Moi non plus. J'ai un mal de chien, parce que comme disait mon professeur de sciences politiques à Toulouse, entre la théorie des complots et la bêtise humaine, 99%, c'est la bêtise humaine. C'est la bêtise humaine. Mais il plus qu'un 1%, il y a parfois des cas. Et là, quand j'ai vu tout ça, je me dis, bon, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Ben, l'URSS, c'était aussi l'empire du mensonge. C'était un empire du mensonge, c'était clair. Hein. On appelle ce livre magnifique « L'empire du mensonge déconcertant ». Déconcertant, voilà. Ouais. Bon. Ben là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un type qui est sorti, qui s'appelait Solzhenitsyn, qui a publié « L'archipel du goulag ». Et puis là, d'un seul coup, ben, si vous voulez, la lumière est apparue, et la lumière, ça a mis en jour cette espèce d'immonde saloperie qui était l'URSS. Et ben, je me demande si Musk n'est pas le nouveau Solzhenitsyn. C'est exagéré un peu, là. Il n'a pas fait le goulag, il n'y a pas eu de goulag aux États-Unis. Il n'a pas eu de goulag, mais il a cette capacité extraordinaire, sans doute parce qu'il est invraisemblablement riche. Peut-être pour dire la vérité sur... Enfin, il avait passé par le goulag. Peut-être pour dire la vérité sur les États-Unis, il faut être immensément riche pour n'avoir peur de personne. Ouais, exact. C'est-à-dire qu'il ne peut être ni acheté ni vendu, lui. Il peut être ni acheté ni vendu. Et donc, il a acheté Twitter et il est en train de faire sortir toutes les preuves que le FBI avait un bureau chez Twitter, qu'ils étaient en train... Chez Facebook, chez Google, etc. On a sorti les documents, des réunions qui disaient, bon alors celui-là, on le fait taire, on le publie plus, on l'empêche de parler, Donc d'un seul coup, la classe organisatrice de cette espèce de saloperie qui traîne depuis 20 ans, de cet empire du mensonge, c'est-à-dire l'alliance entre ces grandes sociétés technologiques
et une partie du gouvernement américain, du deep state, de l'état profond, est apparu en pleine lumière. On leur a donné un coup de projecteur. Alors ils font tout pour que ça ne soit pas publié, mais ça c'est, vous avez qu'à aller sur le net, vous trouvez tout. Donc il est en train de se passer un phénomène extraordinaire, c'est qu'il y a un immense coup de lumière qui arrive là-dessus. Et la lumière, si vous voulez, c'est ce qui cautérise le mieux les saloperies, quoi. C'est un bon coup de soleil et les... Et là, ce qu'on voit, c'est qu'ils doivent être complètement paniqués. Parce que là, on sait